Nano. Nenu. On sera un petit 3M pour le coup. Ah, j'ai pas du tout joué, j'aime pas ça, mais bon. Bon, ça, on va l'enlever. Ok. Quand tu étais en compète ESL, de toute façon, tu peux pas installer ton logiciel vu que t'es pas sur ton PC. Ah, si, tu peux quand même. T'as Internet, tu vois. Tu vas bien installer les drivers de ta souris, par exemple. Tu vas installer le G-Hub. Ça a toujours été un peu tricky, ce genre de truc-là. Merde, j'ai pas fait d'outro. Ouais, j'essaie de Tisma. Naimic ou le truc de SteelSeries là, le radar. Le sonar. Allez, allons récupérer Nano. Je sais pas où il est. Par là peut-être. T'es là ? Ouais, ouais, je suis là. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va, désolé pour le retard. T'inquiète, t'inquiète. J'ai adoré ta voix off. Ouais, je sais. On va... Du coup, je vais continuer à parler comme ça. T'as une voix un peu sexy que tu fais, la voix off, tu vois. Tu t'entraînes pour la SF ou bien ? La SF, c'est quoi la SF ? Bah, Salty Festival. De ah faire oui, ta voix ah sexy oui, pour moi, quoi, ouais, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai que t'es là, toi. Allez, make me a monster, guys. Bon alors, ça va ? Mais ça va bien, écoute. Ouais ? Ouais, ouais. Bientôt les vacances, donc ça va. T'as level up un peu ou pas ? À fond, hein. Bah, on a bien vu, j'ai explosé Mary. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Je suis pas sûr que ce soit un gage de qualité du level up, ça, le fait d'avoir explosé Mary. Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Non. Non, en vrai, tu l'aurais explosé avec un pistolet et à la limite au couteau, peut-être que ça aurait pu être sympa. Tu t'es rasé ? Ouais. Ouais, t'as vu ? Ne refais jamais ça. Pourquoi ? Aïe, aïe, aïe. N'importe qui l'explose. Jeune. Mais ceux qui disent ça, ils me font rire parce qu'ils parlent, ils parlent, mais en attendant, à chaque fois que je dis viens un V1, il n'y a personne qui vient. C'est vrai ça. Donc Mary qui n'avait pas joué depuis mais... un an et demi. Ouais mais bon. Oh, c'est pas vrai, il s'est entraîné après pendant toute une semaine. Là, bon il bah là arrêter, t'es bon là, je te prends un V1, là c'est parti, moi je suis pas chaud, tu vas me niquer du coup. Bah non mais toi t'es quand même un ancien champion du monde. Ouais, c'est un j'aime peu différent, bien quand tu vois. Me suces comme ça. Moi aussi je m'entraîne pour la SF. Oh putain. Non, mais voilà. Tu veux vraiment un V1 ? Ouais. Ok. Je sais pas, je pensais... Ok. On va voir ton niveau. Ah, mais il est bon, mon niveau. T'inquiète. Dès que je suis concentré, t'as vu, je perdais 5-0. Et j'ai gagné 7-5. T'as pas lancé dès le jeu ? Dès que je me concentre, c'est... Oui, je suis sûr. Ok. J'ai accepté ton invite. Par erreur ? Ça fait depuis 18h30, je me chauffe. Ah ouais, donc là, t'es bien chaud. Moi, j'ai pas joué, moi. Moi, je suis chaud là. Ah bah c'est cool alors. Là. Non oh merde. Oh non, ça a pas lancé. Oh putain. Je sais pas ce qui s'est passé, désolé. Vas-y. Tu sais pas ce qui s'est passé ou t'as fait de la merde ? J'ai fait de la merde. Voilà. Une personne qui dit je sais pas ce qui s'est passé, désolé.
On n'aurait jamais dit ça. C'est vrai. Game Sense. J'aurais dit, putain, quel jeu de merde. Ouais, bah ouais, j'avoue. Oh, c'est des kills pour... Ah ouais, attends, du coup, je dois enlever le chat, parce que sinon, tu vas dire que je suis Mac. Voilà. On enlève tout, hein. Ouais, ouais. Il y a le Guiz, il arrive plus à me battre, il est dépité. Le Guiz ? Ouais, ouais. Oui, il est dépité. Il y arrive plus. Ah merde. Il espère encore, mais ça, ça... Non, il arrive plus. Tu fais quoi, là ? C'est quoi que tu bois ? Je me donne de la force, comme toujours. C'est quoi ? On a du rhum, toujours, hein. Ça. Mec, il boit du rhum à la bouteille, t'es. Avec le bon gros truc de pirate, là. Troup. Et d'ailleurs, je me réjouis tellement qu'il fasse mon dessin. Enfin, s'il me le fait un jour. Ouais, mais ça, tu te touches, mec. Hein. Déjà, ma vidéo, je pense que je l'aurai en l'année prochaine. Par contre, il m'a filé son compte, hein, pour de vrai. Hein. Ah, mais ça, c'est ça, il l'a fait. Ça, il l'a fait. Ouais. Non, mais au moins, il a tenu... Enfin, dans le sens où il a tenu sa promesse, tu vois. Après le dessin, on verra. Septembre, on avait dit, mais bon. On n'a pas précisé l'année, je crois. Non, monsieur, il va le faire. En plus, il a envie de reprendre les dessins. Mais là, c'est l'été pour lui. Et là, on est au mois de juillet et tout. Franchement, l'été pour lui, c'est... Il fait chaud, quoi. Ouais, non, ouais, c'est... il fait chaud, mais ça part dans tous les sens un peu, quand même. Mais il prend son chien, du coup, ou pas ? Non, non, c'est... Non. Hein ? Non ? Non. Parce qu'il était motivé, hein ? Ouais. Il m'a dit, j'ai la forêt, j'ai une maison, je suis bien. Ouais. Mais c'est mérite. Sa motivation, ouais. Elle change de toutes les 24 heures. Ouais, ça c'est... Sheiko fait pareil avant chaque match. Ah ouais ? Genre flou. Avec la bouteille de rhum. Bah, évidemment. Ah ouais ! Tu me surprends, là. Pour la salty. Mec! Le jeu a dit non. Mec, je te mets une tête, hein. Ouais. Bah non. Bah non. Je t'ai touché à travers le mur? Non. Non du tout. Donc tu... Zéro. Mais... Donc ça j'étais, prend j'étais que... Même pas, j'étais même pas là où t'as tiré, hein, surtout. Bah si, bah escagim quand même au début là, quand tu casses la cam. Merci Lucas. Ah oui, mais je suis remonté direct. J'étais remonté direct. Ah, c'était bien joué. Merci.
T'as eu peur au Fenrir? Tu l'avais droné le Fenrir ou... Non, je savais même pas que c'était Fenrir. Ah ouais, du coup tu t'es retourné comme une grosse merde pour essayer de le tirer dessus. Bah ouais, bah j'avais pas tellement le choix en même temps. Moi j'ai pas fait exprès de prendre cet argent, j'en prendrai un autre après, histoire de changer, ça devient un peu trop facile. C'est quoi le tour d'erreur là? Ah, c'est d'avoir dévoilé ma position en tirant. T'as pas pris l'information sur les cams que j'avais pris Enning, déjà un problème d'information, donc du coup tu te retrouves comme une merde. D'ailleurs tu tires comme une merde. Oh, mais non, je sais même pas, je sais que t'es là. Je prends n'importe quoi, on s'en fout. On va prendre des trucs où tu dois t'adapter. Merci Phoenix pour les 8 mois de frais de scolarité. La vraie problématique, c'est tu dois faire une image avec une espèce de persistance trétinienne. Là, tu dois faire une image de l'endroit où tu es au moment où t'es blanc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je dois mémoriser les éléments. Bah ouais, mais il aurait fallu que tu back en fait. Ouais. C'est vrai. Faire un test. Tu peux pas passer par là. Ouais, bah non. Ouais, t'es débile. Ouais.
Bah non, bah non. J'avais Mira, tu dois prendre la formation. Qu'est-ce que t'as attendu pour aller dans la fenêtre? Tu m'as vu au niveau de la fenêtre, tu me vois au niveau de l'armoire. J'ai bien aimé le fait que tu rotais tout de suite. Tu te prends pas mon C4. Je sais pas s'il était bien, Dodger. S'il était non, bien j'étais balancé. loin. Oui. J'étais loin. Mais ouais, attention à ça parce que le C4, il a tendance à bien défoncer les mecs en rappel s'il est bien envoyé. Ouais. Derrière, tu rotais, j'aime bien. Mais alors là, que tu décides d'attaquer par en bas. Une fois de plus, t'as trop galéré sur ton insertion en fait. Ouais. Et t'es pas rentré. T'as tout de suite voulu savoir où est-ce que je suis ou d'attaquer directement où est-ce que je suis. Mais c'est comme en composition en fait. Hein. C'est comme si t'attaques sur Oregon face à des mauvais joueurs, bon bah t'attaques directement dans le blue quand ils sont en bas, tu vois. Si t'attaques face à des très bons joueurs, c'est un peu schématique. Mais l'idée c'est que tu vas attaquer à l'autre bout de la map. Ouais. En fait, t'as envie déjà de rentrer dans la map à un endroit où tu penses qu'il va pas y avoir beaucoup de points de défense utilisés. Je joue pas là. Il va pas y avoir beaucoup de points de défense utilisés, ok? Et après, t'avances progressivement. Bah là, c'est pareil, t'attaques à un endroit de la map où tu sais qu'il y a pas beaucoup de points de défense et t'avances progressivement. Mais là, voilà, c'est juste le time. Et après, tu te retrouves à merde, faut que j'y aille. Et tu te retrouves face à une Mira. Bon, je te tire pas dessus, mais tu peux pas gagner ce duel quasiment, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Merci Galactix pour les 2 mois, t'es un monstre poulet. Bien joué. Oh, ça passe pas. Ouais, mais t'es passé tellement vite, ça me saoule. Non, je m'attendais débile, pas à ce que débile, tu cours comme t'es ça. T'es débile. Pourquoi? Tu me regardes de moi ou pas? Non, est-ce que tu m'attendais? Est-ce que tu t'attendais à ce que j'arrive là ou pas? Oui, je m'attendais. Oui, bah oui. Bah, pourquoi tu me regardes pas? Ah, mais tu dis là à la fin là? Oui. Bah oui, à la fin. Ah non, non. Bah t'es débile alors. Con. Oui, je suis débile. Oui, pourquoi? J'ai été débile. Pourquoi? Oui, oui. Bah parce que c'est logique. Que tu me back. Non. C'est pas ça qui fait que c'est débile. C'est que tu fais pas attention aux détails de Rainbow Six. Donc c'est quoi le détail? Ben j'aurais dû me mettre à un endroit où non. Tu peux pas... C'est qu'il y a 2 ouvertures. Non. On est en sécurisation de zone, c'était impossible sur l'angle que tu venais prendre que je sois toujours dans le bomb site et au final c'était en train de décaper en haut. À partir du moment où c'est en train de décaper en haut, c'est que je suis plus sur le bon site. Donc ça indiquait que j'étais plus sur le site. Donc soit je faisais un push-push-back, quoi. Et je revenais par là où j'étais arrivé. Ce que j'aurais fait si on était en mode tryhard. Où je me dis je joue contre un bon joueur. Je fais semblant d'aller à l'endroit où je sais qu'il va m'attendre. Mais toi, je sais que tu vas pas m'attendre à l'endroit où normalement tu
dois m'attendre, quoi. Parce que bah, je suis sorti du site, au final. Bah non, j'ai été débile, c'est clair. Bien joué. Merci. Ouais, petite ligne là, j'aime bien ça. Merci. Non, honnêtement, en vrai, je me suis quand même amélioré, on peut pas dire le contraire. Celui qui dit le contraire, c'est vraiment un enculé. Tu vas quand même pas oser dire le contraire, en vrai. Je sais pas, mec. Améliorer. Moi, pour moi, il y a les gens bons et les gens qui puent la merde, quoi. T'es peut-être passé de sous-merde à qui pue la merde, tu vois. Après, au niveau de cette graduation, j'arrive pas à savoir. Ouais, je comprends. Okay. Bah non, mais c'est vrai. Franchement, je sais même pas pourquoi je cherche encore à jouer avec toi. J'aime pas les gens qui se reposent sur leur laurier, moi. Ah, moi non plus. Qui a dit que j'allais me reposer sur mon laurier? Mais toi, là, t'es en mode « je me suis amélioré, franchement. » Non, c'est toujours aussi nul. Ah oui, c'est une amélioration, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est déjà pas mal. Ça, c'est une mentalité de 2023, quoi. Ça, c'est... Ouais. Franchement, c'est déjà pas mal. Ouais, 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 exactement, la bonne mentalité de loser, bah ça. Ouais, 10 cm, c'est pas mal. Ouais, je comprends. Bah oui, c'est ça. Bah franchement, chérie, tu sais, 3 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Bravo, tu as fait 3 minutes 30. Vraiment, c'est mieux. Mec, il y a un moment où on parle pas, quoi, tu vois. Ouais. Non ! Mec, je t'attends tellement, je te... Je te mindfuck. Oh, ouais. Ça va là, oui. Merci Galactix pour les 2 mois. Putain.
t'as failli me brain en plus, hein. Ah ouais, t'as aimé le petit gone 6 à droite pour te donner l'impression que j'avais ouvert là-bas, ouais. Ah ouais, non, mais... Ah, putain, mais t'es vraiment... Il me respecte même pas, quoi. Ah ouais, putain. Ça te fait pas chier, ça? Ça te fait pas bah, chier, bien sûr ça que ça me fait chier. Eh bah, bah alors, bah, level up, espèce de petit connard. Tu l'as mis, le round? Mais mec, je le mets pas parce que je suis sympa avec toi. Voilà, ça y est, ouais. Mec, j'ai pas droné. Oh, mais putain, là j'ai Mozy, je te tire dessus, je récupère même pas ton drone, frérot, tranquille là. Tranquille, tranquille. Allez, je vais faire honneur à un ami. Un ami. Je trouve plus où il est ce perso, putain. Allez. Tu vas la sentir passer là. Voilà. Bien joué. C'est toujours Nano. Ah ouais, c'est le Make Me a Monster, les mecs. Il y a le temps là, tu vois. J'ai cru que t'allais dire il y a de la thune à se faire. Ah, il y a de la thune à se faire, mon gars. Là, j'ai chopé un bon gros pimpin là, les mecs. Ouais. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on devrait. On devrait quand même faire un petit pari. Ouais, vas-y, dis-moi. Genre, si je gagne, ouais. Tu dois m'appeler Dieu. Non. Mais t'as autant peur que ça? Non. Ok, alors, mais si je gagne, c'est 16 000 euros. Ah voilà! Ah voilà! Bah oui, bah bien sûr. Ah ouais, bah moi ça me permet pour l'année prochaine de créer du contenu sur Rainbow Six, on est bon. Oui, bah oui. Après tout, c'est. Hey. Bah oui, et alors? Pas cher. Bah pas non, ça va, 16 000 euros, mec. Déjà, tu joues contre le vrai dieu de Rainbow Six. De Rainbow Six. Non. Quel monstre! Merci. T'as pris Kali? Bah ouais, j'ai surtout pas pris de drone. Je t'ai vu. T'as vu que je varie les persos quand même, hein?
Tu varies les persos, tu prends Mira en bas, t'sais, grosse variation, fils de pute. Mais tu vas te calmer. Putain. Vas-y, let's go, là, je vais t'arracher la tête, tu vas voir. Il m'énerve, il me... Mais ouais, mais t'es vraiment un gros con, hein, Stéphane. Putain. Voilà. Ben ouais, mais t'es vraiment un gros con, hein, Stéphane. Oui. Oh, t'as de la chatte. Quoi? Ah bah, je suis... Regarde le trou dans le mur, mec. J'ai pas vu. Je suis tellement con. Je sais qu'il va faire ça, mais putain. Qu'est-ce que t'es nul là. Oh merde. Oh putain. Pourquoi tu bois de l'alcool en même temps avant de venir jouer avec moi, fils de pute? Alors déjà, pour commencer, je sais pas si t'as remarqué, mais l'alcool... Ouais, bah ouais. je sais pas si t'as remarqué, l'alcool me fait bien meilleur sur M Street parce que ça désinhibe. L'alcool, c'est désinhibe. Ça me permet de parler aussi quatre langues couramment. Et d'ailleurs, ma bite double de volume. Ouais, non, bah frérot, ouais, redescend. Et franchement, quand j'ai bu, je suis Sébastien Loeb. Bon, mon axe est mort, mais bon, c'est pas grave. Mais fais pas trop le malin, tu vas voir. Ok. Salut Six, c'est pour quand ton passage sur console? Je sais pas. Honnêtement, c'est possible. Et je me le souhaite pas. Mais je pense que ça inclura forcément le fait de pouvoir utiliser un clavier et une souris. Donc j'aurais eu un accident grave qui fait que du coup, bah, je rejoins la grande... Non, arrête, clique, hey, oh. Ça va pas la tête, oui, Nano. Non, excuse-moi. Oui, non, excuse-moi. Merde. Je me suis soigné, hein, ceci dit. J'étais console avant. Oui. Ne dis pas ça, après je vais avoir des problèmes, moi. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, ta miniature pour ton coaching de la dernière fois était vraiment sympa. Et encore, on est sympa. Avant, il souriait pas. Biohazard container located. Mais nique ta mère, la pute! Ouais, oui, je t'ai entendu, hein! Mais oui, mais moi aussi, ça fait une heure que je suis en train de regarder à travers le mur, enculé de ta race! En revanche, je pense que je me ferais niquer, je me serais fait niquer par la frost. Genre, véridique, j'avais pas vu qu'il y avait une frost. Ah, bah voilà. Tu vois? Mais t'aurais drone avant quand même. Ah, bah non, tu me respectes pas! Mais non, j'ai pas drone. Du coup, fais gaffe, tu as deux rounds de que tu m'appelles du, hein. Tu paries tout seul, frérot. Attends, je suis en train de dire que t'es rajouté sa console, ça suffit bien. Bah, arrêtez avec ça, je vais avoir des problèmes, ok? J'ai jamais dit ça. T'as pris Kavera? C'était Kavera? Oui. Mais en fait, t'as vraiment décidé de pas me respecter! C'est un truc de ouf quand même.
On me dit ouais, faut pas prendre Cavera, machin, t'es de la merde, t'as plus la merde. Et lui, il fait quoi? Il prend Cavera. Tu sais que je voulais juste te mettre à one tap, je m'arrête, il y a ton viseur qui dépasse avec. Ah ouais? Bah oui. Putain. Il y avait ton... Pas ton viseur, ton silencieux dépassait. C'est bien, puis moi je sais bien reconnaître les personnages au moins, c'est pas la faute. Bah oui, c'était Alibi, mec. Putain. Ah tu sais quoi? Ah ouais. Mais pourquoi là, tu bois de l'alcool en revanche? Vraiment, c'est pas intéressant quoi. Moi j'ai envie de voir tryhard et tout, tu vois. Je suis en train de tryhard. Ah contre ouais. Mary, tu crois que j'ai pas tryhard? Ouais. J'ai bu, je perdais 5-0. J'ai bu la gorgée qu'il fallait. 7-5, ok? Tu peux rien contre le pouvoir sur l'alcool sur moi. Hein. Ça s'appelle la technique de l'homme ivre. Si tu lis pas les animés, tu peux pas connaître. Mais c'est pas grave. Mais les animés, par définition, c'est pas des trucs qui se lisent, non? Non, ouais, enfin les mangas, je veux dire, regarde aussi les animés. Ok, ça marche. Hein. Ah ouais. Excuse-moi, toi, non. Tes rediffs sont free access ou pas? Oui, pour tous ceux qui payent. ...100% des personnes qui payent ont des access free sur le corpus des VOD. Vas-y, je vais pas perdre quand même contre ce fils de pute. Ah si, tu vas perdre, tu vas voir. Ah bah ouais. Je sais même plus où je t'ai droné. Je te drone et je regarde pas en fait. Tu m'as drone? Ouais. Non. Je drone très vite, mec. Wow. Love it. Money for the Salty Academy. Une petite pièce pour acheter une 8 à 6 à nano. Mais je drone pas depuis tout à l'heure, je suis en fait échec total, je me balade sur les maps quoi. Tu sais que je suis en haut là. Ouais, je sais que t'es en haut. T'es sûr? Tu sais que t'as de la chatte, hein? Pourquoi encore? Pourquoi bah, regarde, tu l'envoies sur le billard et je suis à 2 mètres du truc et elle est pas du tout sous moi. C'est, tu l'as bien envoyé pour le coup. Mais c'est nul ça. Merci pour les 2 euros du Boryu. Putain, je voulais te rendre fier en prenant Pulse et jetant un C4, oui. Car t'adores ça. Oui, et, d'accord, et je suis okay. Dit, il va aimer ce move. Non, et ben, même j'ai pas, bien aimé parce que merde. Tu prends le bonbon voilà. Site, etc. Mais ça passe contre Mary, poulet. Ça passe oui, contre une personne du coup qui oui. Dronera pas comme moi parce que tu vois que je drone pas et donc que je prends et que tu peux donc aller confortablement en bas. Mais en vrai, voilà quoi. À la limite, joue sur la verticalité avec un shotgun et une Solis quoi. En SMG-11 derrière, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, c'est à vous. Mais pull. J'avoue. Franchement, quitte à coller un C4, des beaux C4 à l'heure actuelle, dans la méta, colle-les, préplace-les, tu vois, à des endroits. Ouais. Ça, c'est sympa. Début de round, t'arrives, je vois un Warden, je m'attends pas à ce que son C4 soit droppé, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas, tu y joues, tu machin, bam, C4. Oh le beau C4, c'est celui qui surprend, quoi. Là, tu prends... Ce bomb site-là, avec Pulse, c'est aussi obvious que le bomb site en bas avec Mira ou Fenrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Ouais.
6bit le et j'offre 2 subs. Sponsor pas de sous pour le moment, par sub, mais plus tard peut-être. Sauf si Nano me l'offre, je suis d'accord aussi. Raph, t'as un Amazon Prime, mec, tu peux pas là. Demander à ce que les gens se sub. Mais non, mais j'aime bien le fait que t'aies essayé d'être original et au final, ton C4 était pas trop mal. Après, la problématique, elle est. C'est toujours pareil, quoi. Là, on sait pas comment le C4. Surtout, j'ai pris 0 dégâts, il proc. Après, tu dois jouer les. Tu joues sur le fait que le. Tu joues vraiment là sur le fait que le mec en face de toi soit nul. Ouais, bah, je savais que tu te renais pas, donc c'est clair que. C'est un peu du troll, quoi. Moi, j'ai envie de voir des trucs où je me dis, ok, il faut que j'augmente mon niveau de jeu, autrement, il me défonce. Yo, Mathiris. Si t'as un Prime Gaming, tu peux aussi te sub. Oui, gratuitement quand t'as Prime Gaming. Bah oui, si t'as un Prime Gaming, t'es pas obligé d'utiliser le Prime Gaming. Autrement, ça voudrait dire que si t'as Prime Gaming, tu peux te machiner qu'à une personne. Ce serait un peu con, non? Non, mais j'ai pas fait exprès, mais putain, ça me saoule, j'ai pas eu le temps. C'est pas mal, c'est pas plus mal, adapte-toi, moi aussi je prends les opérateurs différents. Non, mais ça va, t'es un peu moins. Il y a quand même des trucs où t'as évolué de base. Mais en fait, j'ai du mal à te dire que t'as évolué parce que pour moi, c'est des trucs qui normalement devraient être du domaine du naturel et de la logique en fait. Et je dis pas de la logique Rainbow Six parce que j'ai des heures de Rainbow Six, tu vois. Mais je me rappelle pas avoir autant galéré sur des choses que je considérais comme logiques au tout début du jeu. Au tout début du jeu, tu vois. Et je me dis, merde, quand même, il y a quand même des trucs qui sont... Ah, t'es où? Ah oui. Lol. Tu sais que tu vas recharger là. Durer 3 heures, c'est un fils d'up. Hein. Ouais, ben je suis en train de te chercher, hein, ceci dit. Hein. Bah, je suis sur le site avec toi. Hein. Oui, bah, ça, j'avais bien compris, mais si. Ouais, ouais. Bon. Là, j'ai pas le droit de gagner le duel pour le coup. Bah, mais j'avais plus de balles. Parce que je loupe ma tête sur le flic qui est derrière, c'est fini. Non, mais le fait de balancer des impacts est pas mal. Attention, c'est dangereux, mais non, j'aime bien moi. C'était pas con ça. Oui, voilà. Bon après elles sont, c'est pas facile à envoyer, mais c'est très intelligent de balancer les impacts et de balancer les gadgets au moment même où tu te dis bah je peux pas avoir au moment où le mec se planque quoi. Non, c'est pas mal. J'aimerais avoir le niveau de Nano alors que je suis sobre. Non mais attends, c'est pas possible. Non mais les gars, le niveau de Nano. Tu vois? Eh, merci, ça fait plaisir. T'as des problèmes? Non mais dis-nous, random, tu as des petits soucis dans la vie ou Je suis aveugle. Ah. Mec, quel enculé.
Ah, ça s'explique. Nano a donc le niveau d'un random aveugle. Ah. Oui, là voilà. Ça, ça, tout s'explique. Bah voilà. Ça, ça s'explique. Oh putain, je... Ça va ? Non, mais non, mais... Je te le dis, ça va avant de décaler tellement que je sais que t'es con. Tu me dis, il a tiré trop de balles. Je tire... Non, mais... J'y vais même pas en mode... Vas-y, je t'avais touché, non, quand même. Oui, oui, oui. Mais ah ça, ouais, c'est mais débile. Ça, 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 s'appelle, ça s'appelle le drill boîte de conserve, quoi. Voilà, je oui, tire hein. dans une fenêtre, la fenêtre pète et hop, je reload. Débile. Ouais, ça va, c'est bon, vas-y. Débile. Débile. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est débile. Hein. Mais tu sais que c'était débile. Tu sais quoi, vas-y, je vais te montrer, moi. Ok. Je vais mettre en mode tryhard, fait... là, vas-y. Ah, vas-y. Là, oui. Vas-y. Le mode tryhard. Ah, le mode tryhard, il a dit le fils de pute. Le mode tryhard. Tu sais, on dirait comme dans Taxi 1, vous vous en souvenez le film ou pas? Le mec, il fait oui. mode speed. Tu sais, il appuie sur un là, bouton là, sur ouais. sa Renault 11 et ça, ça fait incliner l'antenne. Merci Orso Leplo pour les 6 mois, t'as un monstre. On a gagné un nano kilomètre heure. Oh, la ref incroyable. Ouais, je sais. Ouais, franchement, là, avec 16 tonnes de sable, ça continue d'avancer. Ouais, bah, c'est dommage qu'on soit pas à Dakar. Le pire opérateur du 1v1 quand même. De quoi? Mais j'ai même pas fait exprès de le pic en plus hein. Il est par défaut chez moi. Vas-y, si t'arrives dans mon trou de balle, je suis vénère. Mon plan est machiavélique. Ouais, je sais, j'ai vu ce que t'as fait. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Oh là 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 là. Mais là pourquoi là je vois pas que bah ça déproc oui, bah oui. Oh là ça, je te danse la lambada. Vas-y que je te... Je te tourne, je te machin. Je sais où t'es, je te mets ton Mélusie. Hein, le fils de pute. Putain, j'ai envie de tester ça. Ça fait 16 ans que j'ai pas joué cette arme. Faut mettre quoi là-dessus? Merde, y'a pas d'embout! Merde! Ah ouais, c'est pas ouf. Oh, la musica! Et la musica! Vas-y, la arrête musica. De faire le malin là! Putain!
Nano le caca. Nano le caca. Caca. Aïe. Laisse-moi réfléchir. Merci. Noc aussi, fils de pute, là. Bah quoi, c'était bien, ça. Ça t'a surpris, non? Tu m'as demandé de te surprendre. J'ai l'air surpris, là. Oh mec, t'es arrivé en bas, t'es rentré dans la gym, tu utilises Noc, t'as même pas de silencieux, t'as pété mon C4. Derrière, t'es retourné dans la gym après avoir droné, et du coup, t'as repété la caméra de la gym qui devait pas être ton premier choix. Je me trompe ou pas? Non, je suis parti à l'extérieur. Ouais, mais les deux premiers trucs que t'as fait, c'est ça, non? Tu sais, j'ai pété le C4 quand je l'ai vu, ouais. Oui. Mais j'avais pas vu que j'avais pas le silencieux sur Noc. Voilà. Oui, ok. Ouais, tu sais. Oui, bah c'est pour ça, parce que je sais que t'as pété le C4 dès le début. Oui, bah oui. Et ouais. Puis après, t'as tiré comme un acharné sur la porte. Cul. Après, tu t'es barré. Voilà. Du coup, tu as regardé la carte de la cam gym en te disant peut-être qu'il me regarde par la cam gym. T'as cassé la cam gym. Je sais plus si je l'ai. Honnêtement, je sais pas si je l'ai cassé. Si. Bah, je sais pas, t'as mis un one tap dans quelque chose en tout cas. Donc j'imagine que c'est la cam gym. Donc du coup, t'as prêt à réorienter. Mais non, c'était le C4. Ça. Mais tu fais pas. Pourquoi est-ce que t'es comme Mary en fait? Pourquoi t'es comme Mary? Pourquoi vous avez ce truc en commun de vouloir faire confiance à vos cerveaux qui visiblement ne sont pas faits pour Rainbow Six? Mais quoi? Pourquoi vous voulez être créatif? En vous disant, je pense que c'est une bonne idée. Non, ne faites pas confiance à vos cerveaux. Ils puent la merde. Vos décisions sont débiles. Faites confiance à vos tuteurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais. Je vois. Hey, salut! Tu vois? Donc, tu fais confiance à ton tuteur. Et tu fais juste ce que je te dis. Pourquoi tu rentres pas aux endroits où je t'avais dit de t'insérer, tu vois, par exemple? Bah, je sais pas, parce que en bas c'était pas si mal en vrai. Pour le coup. Non? Bah, je suis. Peut-être un chier, d'accord. La musica.
Sola Musica, la la mou Musica, je pense que tu vas bientôt bouger. Et tu vas faire une petite erreur. Ah! Ouh! Ouh! Mais là, tu me plais là! Attention à ça quand même, attention. Ouh. Ah mais ouais mais je t'ai raté. Ouais quoi. Mais non. Là ça veut dire que je vais mourir là. Oh c'était nul à chier. Attends mec, en revanche t'as pas pris un seul dégât, faut pas déconner. Mais c'était pas ouvert hein, de base. C'était ouvert que au niveau des pieds hein. Oui je sais, mais n'empêche que t'entends pas sur la killcam les flou, les hitmarkers, je suis sur toi. Bon je sais pas, tu m'as pas touché en tout cas. Ouais mais c'est pas grave. Mais oui, enfin après, j'aurais pu crever là. Mais c'était bien, non, ce que j'ai fait, non? Non, mais le castle avec les pieds au niveau de la tête, etc., machin truc. Mais Rainbow Six, ça joue sur les mécaniques. Ta dernière mécanique et la façon dont t'as duel, elle est complètement pourrie au final. À partir du moment où tu savais que j'allais pousser à cet endroit-là, la vraie question qui va être de se poser, ça va être de savoir pourquoi est-ce que tu m'offres la possibilité de gagner mon duel. Non, tu me surprends à un endroit sur lequel j'ai pas droné, très bien. Mais derrière, c'est 321. Voilà, c'est le temps que tu dois rester. C'est une seconde. 321, une seconde sur un duel comme ça en front au final. Parce que là, tu m'offres la possibilité, tu perds l'effet de surprise. Tu viens jouer au forceps au final. Et là, ton duel, là, tu dois, voilà, tu dois te dire attends, mais il va me la coller au final. Et derrière, si là je te la collais et que je te tuais, le seul truc qui va rester derrière, ça va être toi qui va te dire. Merde, pourquoi je me donne? La castle, clair. Il l'a pas ouverte. Donc, attention à faire des petits échanges, quoi. Et à bien voir si tu peux gagner avec le comment on appelle ça? Là, t'aurais pu gagner avec le... Le temps, l'objectif, en fait. Ouais. Je vais pas te mentir, je suis dans le caca. J'ai rien renforcé, mec. Ouais, non, je suis là. Mais je suis là hein. Oui ben oui Putain. Oh je suis nul quoi, t'as raison, je suis vraiment nul, ça me saoule. Putain de sa mère. T'es nul parce que tu bois du rhum, fils de pute. Mais arrête, abuse pas, j'ai bu une gorgée non plus. Mais mec, bon, mais quoi. À quel moment tu pouvais être autant bourré pour que je me décale trois fois à droite et ne pas m'entendre quoi, et ne pas me voir au final. Mais juste parce que je suis nul, ça c'est juste parce que je suis nul, c'est tout. Non, vraiment. Non. Mais oui, non, ne dis pas ça. Arrête, vas-y, je te trouve que t'es là, ouais, ne dis pas ça. Mis à chier. Vas-y, dis-le. C'est sûr, tu dis, allez, dis-le, continue, dis-le. Je suis sûr qu'en vrai, tu fais ça. Aïe. Ah ouais, gros choix d'opérateur moi, de mon côté. Hein. Au final, tu peux le défoncer, STP. Pourquoi vous voulez que je défonce Nano? Mais parce qu'ils me détestent tous, ils veulent tous que je ferme mon clap merde. Je pense que il est vrai. Ils sont juste jaloux peut-être, parce que... Oui, ça peut être une possibilité du truc.
Mais pourquoi tu passes jamais là où il faut aussi, toi? What? Mais t'es où, là? Je comprends pas. Je fallait alors placer avec les... Non attends, j'ai pas envie de faire des accents comme ça, c'est chaud. Hein. Je voulais faire Emmanuel le de Carglass, mais je l'ai raté complètement, désolé. C'était limite offensant. Je voulais remplacer les carreaux. Ah non, ils sont juste jaloux parce que je suis millionnaire, beau et voilà quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça. Carglass répare, Carglass dérape. Oh putain. Un ban de 2 mois sur Twitch. Grâce à la résine Carglass. Vous pouvez vous faire débannir instantanément. La résine vous met une perruque de cheveux verts qui vous permet d'avoir tous les passes droits. Moi aussi, grâce à Carglass. Oh, j'étais banni pendant 2 mois et alors j'ai mis une perruque verte et toutes les portes se sont ouvertes à moi. Et la musica, la musica. Et détends-toi, hein, l'ami. Hein. Seule la musica, la la mou musica, la la musica. Cac. Comment ça va être chaud là? Ah non, j'étais pas vraiment chaud. Ouais. T'étais pas vrai. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai voulu te catch, je pensais que t'allais me rush en fait. J'ai voulu te catch. Oh le, le bruit du. Oh man. C'était pas mal. J'ai bien aimé le fait que tu prennes le temps, que tu fasses une construction, etc. Mais n'oublie pas qu'à ce. On s'entend là, tu vois. Ouais. T'as remarqué que je te laisse en vie au moment où tu décales? Oui, où je suis rentré. Ouais, bon, je suis voilà, rentré, je te laisse en vie à ce moment-là. Donc du coup, dans les faits, vas-y plus, tu vois. Au moment où tu décales, il faut que tu sois dans une logique où tu avances, mais où tu es ton viseur sur la seule possibilité pour moi de décaler.
que tu puisses pas fliquer entre deux endroits. Ouais. Mais j'ai bien aimé le fait que t'aies balancé la grenade à gauche pour ouvrir à droite. Mais au moment où tu balances la grenade, c'est à ce moment-là que tu dois pousser, tu vois. Tu te dis, ok, il est pas à ma gauche. Tu vois, quand t'étais à ta gauche, là, il y a le closet qui est ouais, à gauche, ouais. Là. Il est pas à gauche. Il est pas... Il peut être... Il va être avant du camion blanc ou cul du camion blanc. Ok ? Ouais. Ouais. Je balance une grenade pour le cul du camion blanc, de sorte que ça le décale sur l'avant du camion blanc. Et moi, je rentre en balançant un pré-shot ou en ayant mon crosshair placement nickel sur l'avant du camion blanc. Ouais. Et derrière, je vais jamais jusqu'au bout. Je fais une zizou. Je reviens sur mes pas et là, je rencontre un mec qui overextend en règle générale. Là, c'est un peu... C'est next level, mais bon, on s'en fout. Mais l'idée est la même. Ouais. Je vois quels sont les problématiques, où est-ce qu'il peut y avoir des lignes au moment où je vais pusher. Et derrière, voilà quoi. Ça a l'air tellement simple comme ça. Bah non, mais c'est logique. Oui, oui, non, mais on est d'accord. T'es en bas ou en haut? T'es en bas, t'es en bas. Ok. Regarde comment je vais essayer de te jouer là. Là tu joues plus là, t'es déjà ma pute là. Ah bon ? Bah ouais. Là j'aurais pu te niquer. T'es déjà ma pute là. Tu mets pas le rythme au final. Bon c'est pas mal, tu t'es barré. Pourquoi tu prends pas la ligne sur cette porte là ? Attention à ton ouverture. Bon, ça va. Mais... Garde le... T'avais pété garde la pression, tu sais. Garde la pression, tu vois ce que je veux dire. Garde la pression sur le truc, là. Là, tu dois mourir. Là, je t'encule quand je veux, là. Tu te mets devant la voiture, ok ? Tu veux mettre un truc indestructible entre toi et moi. Ok, c'est une bonne idée. D'accord ? Ouais. C'est une bonne idée, très bien. Bon, le truc, le problème, il est que ça ne peut arriver, ça ne peut être logique, que si tu empêches la possibilité au mec de swinger en face de toi. Toi, tu restes, au final, derrière ta voiture, mais t'as pas renforcé le mur de droite. Moi, je pouvais swinger entre les deux. Au final, ouais. Toi... Bah, moi, je pouvais te... Il y avait deux lignes sur lesquelles tu savais pas trop... En fait, là où t'étais au niveau de la voiture, là, t'aurais dû te dire, ok, cet endroit-là, je le joue au son. La porte, je la joue au son. S'il rentre, je l'encule. Mais tout le mur renforcé, je le regarde, là, celui-là. Tu peux pas choisir deux angles, en final, tu vois. Et c'était logique que je fasse un trou... Pour justement, je sais pas comment expliquer en fait, j'arrive pas à expliquer, c'est... Non mais j'ai compris ce que tu voulais dire à part ça. C'est une fois de plus, c'est une erreur de placement, tu vois. Non ouais. À ta droite. Oh putain, bah, ouais. Mais vas-y, j'avais drone en plus, hein. Ouais, mais t'étais pas là depuis. Bah un non, moment, mais je cours vite, frérot. Ouais, oui, bah oui, donc, d'accord, mais. Hop. Ok, c'était pas mal ça. J'ai bien aimé. Ça aussi, c'était pas trop mal. Ok. Sois pas trop obvious. Ok, c'est pas mal.
t'aurais pu mourir là. Ouais, bah oui. Et ton truc va te servir à rien. Tu veux... Bah non, bah, j'ai bien compris. Ouais. Bon. Là, tu te concentres pas, t'es pas dedans. Y'a qu'une ligne, tu dois me la mettre, frérot. Oui. Arrête avec Nomad en 1v1. T'as déjà vu un joueur pro jouer le Nomad en 1v1? Bon, y'a une raison. C'est la première fois que je prends Nomad en 1v1. Bah ouais, mais bon, si... attends, le but du jeu, c'est de t'entraîner, hein. Oui. C'est pas. Mais tu m'as dit aussi qu'il fallait que je varie les agents, alors. Voilà, bon, oui, mais d'accord, ok, mais la R&D, hein. La R&D, tu peux la faire autrement qu'en 1v1, tu vois. Tu peux la faire avec d'autres personnes. Ta recherche et développement, là. Mais Nomad, bon, bah, non, en l'occurrence. À moins que tu sois vraiment dans une logique. Moi, j'ai besoin de m'assurer que le mec décale pas et tout. En fait, le but, c'était que je push, puis que je foute des Nomades. Mais sauf que tu savais direct où j'étais, donc c'était un peu relou, quoi. C'était ça, mon idée de base, voilà. Donc ça, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas, sur la porte, tout à l'heure? Et quand tu m'as dit, ouais, au niveau de la porte, je t'ai pas vu, je viens de droner. Ça va vite, hein? Bah oui, t'as push vite, oui. Bah, la formation qu'il y avait il y a 10 secondes, c'est pas la même. Et pourtant, j'étais pas j'étais dans le... J'étais dans la caméra du middle, j'étais dans la chambre. Donc là où il y a le duel, ok? Ouais. Sur la caméra, j'entends que tu poses une charge. Étant donné que t'avais pas cassé la vitre avant la charge, je sais que c'est sur une fenêtre avec une vitre, puisqu'elle casse la vitre. Ouais. Donc j'entends la fenêtre se machiner, je sais exactement où t'es, tu vois. Au moment où je sais que tu vas utiliser la charge pour rentrer, tu pètes le truc et il y a un sound cue pendant lequel t'as rien entendu. Et tu m'as pas entendu, moi, courir de la chambre vers la porte. Non. Là, ce que j'aurais dû rencontrer, ce qui aurait été bien, c'est un drone. Donc tu fais un mouvement qui est un peu un mouvement sketchy, tu vois, un mouvement un peu difficile. Tu viens de rentrer dans le bombsite, t'as fait beaucoup de bruit, etc. Boum. Tu vois. C'est un peu comme quand tu tires au final au pistolet, tu vois. Si tu tires un jour au pistolet, tu vois. Il y a un moment où en fait tu tires au pistolet, mais quand bien même tu aurais tiré au pistolet des centaines de milliers de fois dans ta vie, il y a un moment où tu vas devoir regarder par-dessus ton épaule. C'est un drill que tu dois faire pour savoir, ok, je dois. Parce que quand tu commences à tirer, tu vois, t'es un peu matrixé, t'as une tunnel vision en fait, tu vois. Et ben là, tu commences à te dire, ok, je viens de faire péter un mur renforcé, je viens de faire péter un mur, je joue sur une grosse verticalité, je drone. Et là, donc, au final, les deux drones parfaits auraient été un drone au niveau du couloir à gauche et un drone au niveau de la porte là où j'ai décalé. Ouais. Mais lequel aurait été le plus intéressant? Au niveau du couloir ou au niveau de la porte? Au niveau de la porte. Pourquoi? Parce qu'au couloir, il y a l'armoire. Parce qu'au couloir, il y a l'armoire et qu'en plus, c'est un couloir. Donc, il y a des chances que tu arrives avant moi et qu'au final, au moment où tu décales, je sois au milieu d'un couloir. Ouais. Ça te donne l'avantage. C'est pas un move agréable pour moi. De l'autre côté, au final, moi, j'arrive à côté de la porte. Et cette porte-là, là, je joue. Cette porte-là, bon, bah, tranquille, quoi. Je suis bien, tu vois. Merci Fucette pour le fait d'avoir offert à Ubisoft ses droits de scolarité. Oh lol, ils étaient même pas abonnés, c'est facile. Putain. On peut pas faire retry direct. Une minute, proviseur 50 secondes. Mais on joue pas les mecs. Là j'aimerais bien mettre plus de rounds, mais c'est juste les salty duels. On s'en fout du score. Là c'est de l'apprentissage. On s'en fout. Ouais, je te laisse volontairement gagner pour justement montrer qu'on s'en fout. Mais oui, et c'est bon, je t'embête, hein, tu te calmes. Je t'embête. Okay. L'autre, il insulte des grandes daronnes et tout, et là, il vient de dire je t'embête, quoi. Ouais, t'as vu. Ok. Les salty duels 3v3 ? Bah, comment tu veux que je les fasse ? Je serais en train de rouler jusqu'en Italie. Oula, j'ai eu peur. Non. Yo, Gérald Bardur. Merci, hein, j'ai arrêté les bédos, ça fait longtemps que je suis passé au Coca. J'allais oublier de payer mes droits. Merci Zerosk, t'es un monstre poulet, vraiment. Merci pour les 13 mois de super étudiant. J'allais oublier de payer mes droits. Mais non, bah, j'aurais bien voulu, mais je suis en vacances, quoi. J'ai le droit à des vacances, quand même. Qui va faire les LSD, les amis? N'oubliez pas de faire les LSD, ça serait extrêmement bien.
Vraiment, participez-y, vous allez passer un bon moment, c'est vraiment cool, c'est le 29, on sort, enfin, vous allez voir ce que c'est un peu de faire de la compétition, surtout si vous en avez jamais fait, si vous êtes solo, c'est pas grave, c'est du 3v3, mais si vous êtes solo, c'est pas grave. Et si vous avez un bon niveau, bah faites-le, clairement. Et si vous n'avez pas un bon niveau, faites-le quand même, parce que c'est vraiment marrant, quoi. Et il y a des super prix. Le 29, point d'exclamation LSD, les amis. Il y a des super prix à gagner. Ouais, et il y a trois écrans gaming. Trois écrans gaming à gagner. Ah, si je l'avais, si je l'avais fait, j'aurais gagné. Alors à quoi bon hein. Attends, mais il m'a pas donné de résultat, RQ. Bon, je sais pas, peut-être que ça se passe. Bah, ils ont perdu, non ? Bah, oui, mais il y avait plusieurs matchs, je crois. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah le dernier match c'est dommage hein. Enfin, celui que t'as stream là, c'était dommage hein. Ouais, vous auriez dû gagner. Bah ouais, écoute. Peut-être prendre le timeout à 6-2, 6-3, 6-3 en fait. C'est là qu'il fallait prendre le timeout. Et derrière tu dis hop 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 hop, on les laisse pas remonter. Ouais. J'attends de savoir si je bosse. Vas-y, mais niquez-vous les mecs, c'est important de participer. 3v3 en plus sur des maps de ouf, jamais vu, c'est du jamais vu hein, franchement. Ça va vraiment être incroyable. Après, bon, on s'en fout, hein, au pire. Nous, on adapte la prod, ça durera toujours le même temps, même s'il y a 32 équipes. En vrai, c'est super chouette, à part ça, ce que t'as fait. C'est juste dommage que ce soit quand je suis en vacances. Sinon, je l'aurais fait de suite. Ouais, mais on pouvait pas faire d'autres week-ends, c'est impossible. Ah ouais, je peux comprendre. Bah ouais, c'est septembre, après, il y a la Louvre et tout. C'est... pas sûr que ce soit en septembre, le 20. Ah ouais? Non. Tu m'as vu ou? Oh, oui, je t'ai vu. Ah, j'ai eu peur. Bien joué. Ok, j'aime bien ça. Bon, ça, maintenant je vais plus te lâcher, hein, c'est bon. Oui, bon, ok, mon aim n'était pas top, je te l'accorde. Là, ouais, mais bon, au moins, tu, au moment où je tire comme un débile dans un mur, tu viens me punir là-dessus, c'est pas mal. Je t'ai pas du tout entendu. J'aime te punir. Ok, ça marche, allez, sorti. Je te défonce ta petite gueule parce que tu me saoules. Mais arrête, t'es fatigué, t'arriveras pas. 1000 euros? 100 euros si tu veux. 100 euros là. Si tu veux, hein. Vas-y, c'est parti. Vas-y, y'a pas la ligne ça, le chat, il va être en train de dire que je suis merde. Allez, let's go.
Vas-y, putain. Mec, j'ai failli m'endormir, hein. J'ai dû te balancer mon C4 tellement je faisais... Oh la vache... Tu peux le dire, je suis le plus gros chatard de l'histoire de rap. Putain... J'ai même pas envie de le dire. Je sais même pas quoi jouer pour rigoler un peu. Là. Mais ton but c'est de gagner 100 euros ou de rigoler? Mais j'ai pas envie de gagner 100 ouais, euros comme ça là, c'est ouais, chiant. Donc... Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord à part ça. En vrai, c'est chiant, ça je suis d'accord. Voilà. Y a pas de challenge, mais rien de moine au bout de mon côté. J'ai l'impression d'être un... J'ai l'impression d'être mairie. 1000 euros par contre, ouais non, ça change pas le montant, je pense. Non, ça change rien. J'ai pas envie, j'ai même pas envie de faire l'effort en fait. Parce que ça m'enlève le côté drôle du truc. Ouais, je... Merci. Bon, je spawn kill pas, hein. J'arrête. Non mais c'est bien, vas-y. Ma faute hein, je drone pas, faut que je me fasse plaisir. Arrête d'employer le mot puni. Eh, tu diras pas mon rhum arrangé, hein, par contre, hein. Ah, faut que j'y pense. Ah oui, bah oui. Sinon, je vais être en manque tout le week-end, après. Ça, c'est un coup de pute quand même, hein. Un peu. Non, mais je... Je t'ai entendu en plus au dernier moment. Oh putain, je suis tellement nul. Vas-y, tu peux le dire s'il te plaît. T'es vraiment une merde. Voilà, Nano, t'es une merde.
peux le dire s'il te plaît. Non, c'est dommage d'avoir pushé sur le site et de pas avoir anticipé la possibilité, de pas avoir tout de suite anticipé cette possibilité là. Donc du coup, je pense que ça aurait été bien de d'avancer légèrement dans le closet et de fermer le truc. Surtout que là, je t'ai envoyé l'information tout de suite. Si tu proc et que ça conteste pas, c'est que t'es seul sur le site. Oui. Du coup, tout de suite, ça veut dire danger pour toi. Bah ouais, mais j'arrive pas à faire attention à ces putains de détails là. Ça me saoule quoi. Je bah comprends ouais, pas comment j'arrive pas à me concentrer. Bah parce que mec, il faut que tu laisses et il faut que tu respectes ton cerveau un peu. Tu bois du rhum, fils de pute. Il y a aucun tranquille. Moment, mais il y a aucun moment où, à la limite où tu peux être bon sur Rainbow Six en buvant du rhum. Il faut. C'est un jeu compliqué. C'est pour ça que les joueurs de code n'y arrivent pas. T'es en train de dire que les joueurs de code c'est des handicapés? J'ai jamais dit ça, et là dedans on va se prendre un ban avec ça. C'est vrai? Ah oui, bah oui. Je t'ai pas mis une balle. Si. Ah, sur ce round? Non. Oh putain. Ah, c'est pas possible ça. Nano est agent, non. Mais bien sûr que si, et à part ça... Oh, ce que tu m'énerves. J'ai bu une gorgée, vas-y, c'est bon quoi. Sous prétexte que j'ai bu une gorgée. Oh, mais putain, t'as pris où là? J'ai pris dans ton cou. Parce que tu vas venir dans mon cul. Essaye toujours. Hein. T'es par là? Non, pas du tout. Ça pique? Ça fait, ça pique. Mais me faire foutre, putain! Vas-y, je suis malade, c'est pour ça que je bois un peu de rhum. Ça, c'est pour la gorge, ça fait du bien. Merci Nexal pour les 22 mois, t'es un monstre. Putain. Pourquoi tu restes allongé derrière ton truc, mec? Mais parce que je savais pas quoi faire, j'avais pas le bon agent, j'avais pas le truc de bien. Est-ce que c'est cool? Là, tu vois, t'es bourré quand même, tu t'en rends compte ou quoi? Mais je suis pas du tout bourré. J'ai pas de d'agent, c'est super rien. Six, écoute-moi bien, je vais te prendre et je vais t'enculer. Hein. Je vais te retourner et t'enculer. Hein. Voilà, je suis pas bourré. Putain. Lève-toi, lève-toi et fais le test. Comment il veut me prendre, comment il veut me prendre au sérieux alors j'arrive même plus à parler quoi. Mais j'ai pas de test à faire, j'ai rien à prouver. Mais j'ai rien à prouver. Ah bah si, t'as beaucoup de choses à prouver. Non, bah non, justement pas. La musica. Et la musica. Nano il est bourré, Nano il est bourré. Ta
Bah si tu chantes, je peux pas t'entendre en fait. Ah pardon. Salut. Non. Oh, mais c'était une tête, ça. Derrière, je suis derrière toi, derrière toi. Ah mais c'est... Je me disais que je t'avais collé une tête, putain. Vas-y, meurs. Putain. Mec, t'as quand même essayé de tirer dans des smokes, fils de pute. Hein. Bah, on sait jamais. Ah non. Merci Max la menace pour les 5 mois de frais scolarité. Merci Nexa pour les 22 mois. Tu savais que j'avais Dokkaebi? Bon bah alors y a rien que je peux balancer à part un drone et que j'avais déjà balancé que tu, bah, sur lequel flashs, tu peux tirer. Des flashs en fait. Des flashs. Bah oui, mais dans tous les cas la flash c'est le move de tirer sur la flash, c'est pas, oui, le bon ça move. Fonctionne. Oui, je sais. C'est ça. Oh. On se change, c'était Ying en fait. Vas-y, c'est bon là, putain. Prépare-toi, hein, parce que tu vas le perdre ce match, rien à foutre. Je me donnerai à fond s'il faut, je jouerai comme une petite pute s'il faut, mais c'est... Ok, voilà, j'ai décidé. Ça marche. Voilà, rien à foutre. Bien joué. Tu sais que t'as eu de la chance ou ce bout ou pas, non? T'as droné le site. Est-ce que tu sais que j'étais entre toi et le drone? Ok, non, j'ai mis le C4 en dessous parce que je savais que tu l'avais droné pour t'attirer en bas parce que je voulais que t'ailles justement péter le C4. J'ai eu la confirmation que t'étais rentré en dessous quand j'ai fait péter le truc parce que dès que t'as tiré dessus, voilà, t'as utilisé 3 balles à la place de 1 de toute façon. Mais je l'ai même pas. En vrai, je l'avais même pas drone le C4 au début. Je l'ai vu en arrivant. Ouais, j'ai cru que t'allais le faire péter en fait. J'ai eu les boules. C'est au moment où j'ai fait. Ouais, mais là, t'étais au-dessus. Du coup, tu pètes le truc. J'ai la confirmation que t'es en bas. Et je laisse passer le drone derrière. Et je push. Je suis à juste au corner pour aller te niquer. Et tu montes en rappel directement sur le site. Je fais. Merde. C'est là que je me dis. J'aurais eu mon C4, merde, je drone pas. Merci Mickey pour les 10 mois, t'es un monstre pour les... Mais en bas. Ah, ok, bah, je prenais en haut. N'oubliez pas de faire point d'exclamation LSD les amis. Les prochains salty duels, c'est pas du 1v1 en revanche. C'est du 3v3.
biohazard container has been located. Ah putain, je te courais après quoi, fais chier. J'ai fight back en plus. Ouais, c'est bon, l'autre pour qui il se prend là. C'est vrai en plus hein, j'ai c'est fight back. C'est vrai en plus, j'ai fight back. Eh, franchement papa, j'ai fight back. Si je perds, je sens que j'ai vraiment pas apprécié. C'est vrai? Je déteste. Alors déjà, j'ai horreur quand ça se passe comme ça, et surtout que tu joues pas sérieux, que tu me respectes pas, alors du coup, ça m'énerve encore plus. Mais je vais te battre, rien à foutre. T'as qu'à pas me respecter, je vais t'enculer. Mais ouais, je suis très sérieux. Hein. Moi je vais m'appliquer et puis je vais te défoncer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh putain, c'est une blague. Je vois même pas. Ah ouais, ok, bien joué. Très bien joué. Merci.
Ça va? Bah je l'ai pété hein. Ah t'es trop smart. Mais voilà, je suis mort aussi. T'avais un HP. Parce que je voulais que tu meurs sur la clé mort. En revanche, tu regardes pas les cams. Putain, t'es relou. Bah non, je t'entendais. Si je me mettais sur la cam, t'allais m'entendre. Bah oui, c'est pas faux. C'est pour ça, je t'entendais, t'étais juste à côté, j'espérais que tu ne drones pas. Qui ne s'est pas passé. Monsieur. Putain, ça me saoule. Non, je peux pas perdre ce round, non c'est mort, je le perds pas ce round. Je le perds pas, je le perds pas, je le perds pas, vas-y. Oh mais non. La claymore, la émoticône pleurant. Vas-y, dégage. Ah putain. Vas-y, t'as fait le foutre, mon putain. Bien joué. Bien joué, hein. Dommage. C'est un naufrage. Un naufrage, il a dit. Oh putain, quel bande d'enculé. Merci Caroso pour les deux mois. Petite dernière. Je en vrai, t'es meilleur sur plane. Sur plane, tu me fais peur parfois. Non, mais si je perds sur plane, je vais vraiment m'énerver. Hein. Mais attends, mais d'où tu crois que tu vas gagner contre moi, gros fils de pute? Mais parce que tu me respectes pas première, et que tu joues comme un enculé. Je suis en première, enculé de ta race. J'ai laissé le frein à main, sérieux. J'ai c'est deux roues sur quatre. C'est ce que je dis, tu me respectes pas, c'est pour ça, ça m'énerve méchant, de perdre alors que tu me respectes. Je suis même... méchant, mais ça vous fait rigoler, bande de petits fils de pute, avouez ça. Putain, tu... J'ai jamais là, joué avec Chavera en plus. Tu joues avec le frein à main. Tu joues le frein à main et j'arrive même pas à te battre, quoi. Putain. Parce que t'es bourré, frérot, arrête mais avec l'alcool. Suis... Putain, et à part ça, arrête ça, je ne suis pas bourré, vraiment, j'ai bu une petite gorgée avant. Regardez, putain. L'alcoolique qui se justifie. L'alcoolique qui se justifie. Une petite gorgée. Ou deux, monsieur l'agent. Une petite quoi, bière, sous prétexte quoi, que j'ai fin, bu oui, une oui, petite oui, bière. Monsieur l'agent, quand même. Hein? Bah, du côté de Liège, hein, je suis désolé, mais une petite bière, franchement, ça me paraît quand même... Ah bah c'est le minimum syndical, hein, par chez nous, vous savez, monsieur l'agent. J'en ai pas bu 90. Merde. T'es en train de boire là? Non. Ok. T'es bourré, Six? Non.
Ouais, aussi que c'est. Bah, bien sûr, en vrai, c'est un vrai alcoolique, vous le dites pas. Mais ah ouais, grave, les mecs. Les gars, j'ai bu une fumée en Belgique, j'étais patate, moi. C'est bon, quoi. Mec, j'ai bu une fumée. Non, une fumée et un. Et une. Fuck. Un truc là, coconut. Fuck. Le cocktail. Pas caipirinha, mais. Une piña colada. J'ai bu une chimée, une piña colada, un rideau, mec. Je suis pas bourré, je suis en état d'ébriété, franchement, ça n'a rien à voir. Mais je suis coincé parce que je connais pas mes moves à la con de putain et je me coince contre. Vas-y, ça. Avec du skill, ça passait. Hein. Ouais, c'est bon, vas-y. We need to protect the biohazard container. Putain, je rate ta tête, quoi. N'essaye même pas. Est-ce que tu vois à travers les trucs? Travers quoi? Ah ouais, c'est nul. Je pensais, tu vois, c'était un test que je voulais faire. Je pensais que le réticule, je savais que t'avais pris glaze. Je pensais que le réticule de glaze était considéré comme une caméra en gros. Et donc du coup, si je mettais les bloqueurs, là, j'en avais mis tout le long du des vitres. Ça aurait été drôle, n'empêche. Ah ouais. Ça aurait été drôle. Je voulais vraiment avoir la vue où tu sais, tu vois le truc et tu vois les rideaux apparaître les uns après les autres. Ouais. Ça aurait... c'est vrai, j'avoue, c'était pas si con ça. Hein. Ta gueule. C'était une bonne idée. Non, c'est vrai, c'était une bonne idée. Bah oui, comme d'hab. Mais j'ai que des bonnes idées, l'autre. Oui, non, c'était. Franchement, c'était bien joué. Mais nique ta mère, l'autre. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bon, du coup, t'as vu qui j'avais, ça fait chier. Voilà. Ça fait chier, là, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, t'as droné, tu savais que j'étais pas sur site, donc t'avais que cette possibilité là, c'était que je sois là. Non, regarde la VOD, voilà. C'est marrant pour ceux qui savent pas. Je voulais faire voir pour... J'ai pas droné, je drone pas depuis tout à l'heure. Quand tu mets les castles d'un côté, ils sont d'un côté de la porte en fait. Ah putain, pas de l'autre. Ouais, en fait. Donc au moment où je vois un castle tourner vers l'extérieur, moi, mon cerveau, il... Ah, il donc j'ai montré à travers le mur, je leur ai dit, il est là, il est en haut de l'escalier. C'est bien joué, je te l'accorde. Ah oh putain. T'as eu peur? Ouais ouais. Oh nique ta mère, meurs à un moment quand même, non. Mais non. Avec ton flic. Oh le flic du Moyen-Âge quoi. Oh putain. Tu vois ça je savais pas, PTDR c'est chaud ce jeu, il y a trop de détails. Ouais il y a plein de trucs comme ça, c'est pour ça que je voulais m'arrêter dessus parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent ça. Bon pour ceux qui n'ont pas compris, le castle en fonction des parois des portes forcément montre le côté dans, duquel il a été posé. Et c'est vrai qu'on l'utilise pas trop à niveau professionnel parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le coup. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de... Mais c'est vrai que c'est un truc... C'est un... Enfin, ça vient logiquement, quoi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on gagne contre Six. On mettait que du flic et tout ça. Voilà. Ah merde, je sais même pas où t'es, mec. Je tourne même pas, t'es. Une salle de réunion. Oh, c'est quoi, salle de réunion? Début vers le cockpit, ouais. Ah oui. Merde, t'es où? Attends. Mais t'as... Attends, t'es allé où, mec? J'ai couru, mec. Mais t'as... C'est t'es sorti fin. Et t'es j'suis monté sorti... à l'étage. Non. Je suis sorti et j'ai sprinté. Ouais. Et puis au moment où toi t'es passé, en fait, tu m'as pas vu, mais j'étais déjà là. J'étais dans le couloir au moment où toi t'es passé. Ah ouais, merde. Mais je vais pas regarder. Je voulais vraiment te surprendre à droite au niveau de la... Oui. Voilà, j'ai fait ton truc de tu vois, au moment où ton truc il a pété, ben tu m'entendais pas courir. Tu sais, je retiens les informations que tu me donnes. C'est pas mal. Les barricades c'est pareil. Oui, les barricades c'est pareil. Pour ça, Cavera elle est quand même pratique en AV1 en vrai. Elle est relou à jouer. Tu trouves pas? Non, parce que là on s'amuse, etc. Non, c'est vraiment de la merde, la caméra.
J'étais sûr que t'avais osé, j'étais sûr. Ah non, j'ai cru que tu m'avais été remonté. T'es pas remonté du coup. Non. Ok. Bien joué. Non, c'est pas moi, bien joué, c'est toi, mal joué, mec. T'as hors de question de sauter par une trappe alors que t'as pas l'information et précise de là où je suis. Hors de question. Oui, c'est vrai. Ah oui, là j'ai pas regardé une seule cam. Hein. Le but du jeu, c'est justement que tu puisses toujours être dans une logique de prendre les bons trucs, quoi. Là, je fais des petits trucs un peu sneaky, un peu drôle, quoi. Je veux que tu regardes la VOD derrière et que tu comprennes les moves en disant « Ah putain, mais là, il m'entendait. Ah putain, mais là, il savait que j'étais là. » Quand tu pètes la trappe et tout, en vrai, j'ai aucun intérêt à sortir du bon site, quoi. Je reste sur le bon site, je joue sur des lignes, je joue sur des mécaniques absolument reloues, tu vois. Mais là, c'est drôle. Enfin, ça fait apprendre, quoi. Un salty duel sur plane, non? Non, plane, on l'a déjà fait, les mecs. À chaque salty duel, il y a plane, hein, en fait. Hein. Vas-y, la flemme. Je te déteste. Il y a un HP la smoke là. Non. Je sais pas où je suis. Mais ouais, mais ça tu sais très bien que j'arrive pas à jouer ce montagne de merde. Comment on fait pour jouer à montagne, sérieusement? Bah déjà quand tu veux lui envoyer des impacts, tu les envoies pour qu'elle proc derrière lui. Bon déjà, t'essaies de faire un maximum de dégâts. Puis après tu peux venir au contact au final quoi. Il doit représenter aucun danger, quoi. Il y a une... Le meilleur moyen de jouer montagne? Le meilleur moyen de savoir jouer... C'est de jouer montagne. Bah ouais. Le meilleur moyen de savoir counter montagne, c'est de pas en avoir peur. Et le meilleur moyen de pas avoir peur d'un personnage dans tous les jeux vidéo, c'est de le jouer jusqu'à un moment où tu te diras « Ah, mais en fait, je connais ses points faibles. » Parce que tu sauras du coup ce que tu détestes que les gens te fassent. Et tu diras « Putain, mais en fait, montagne, c'est pas si fort, quoi. » Et là, t'es bon, quoi. Mais à partir du moment où t'as pas joué montagne, du coup tu restes dans cette espèce de truc de te dire ah mais il est trop fort et tout machin. Donc du coup déjà tu pars avec un momentum de merde quoi, puisque y a déjà un ascendant psychologique. Il y a montagne qui est sorti, tu te dis merde. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Tu vas vraiment venir jusqu'à... T'es vraiment un enculé, toi. Tu peux me toucher là? Ah oui. Ça fait gaffe, il y a une porte là. Ouais.
Oh mais vas-y, putain. Mais quoi? Mais j'arrive mon bouclier déployé là. Ah non, mais what? Alors, et je te jure que ça m'a mis comme quoi je l'avais déployé. Hein. Oui, bah oui. L'alcool, c'est ok. Oh. Oh, je te promets que c'est la stricte vérité en plus. Aïe, 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 aïe. Vas-y, hein, vas-y, reprends, vas-y, reprends le voir. On rigole. Vas-y. Vas-y, je vais t'exploser, rien à foutre. Encore, t'as de la chance, il a pu ses flashs quand même. J'avoue. Avant, c'était un truc d'enculé parce que dès que tu perdais la ligne, il arrivait, terminé. Pop, pop, pop. Oh merde! Oh merde! Oh, je suis désolé, j'ai pas du tout pris mon tag, j'ai pas du tout pris mon tag, j'ai glaze. Non, non, je te jure la vie de ma mère, j'ai glaze. J'ai vraiment misclick pour le coup, j'ai glaze, fais gaffe, je préfère te le dire. Que tu m'attendes pas comme une petite pute. Ah non, je voulais changer le gun et j'ai cliqué au dernier moment, vraiment au dernier moment, et j'ai coupé la possibilité de le changer. Bon, glaze, tu me fais pas peur, glaze. Ah ouais? Ok. Tu sais que c'est l'un des opérateurs que j'ai le plus joué en Pro League quand même. Ouais ouais, mais y'a pas de problème. Bien joué. Je crois que j'ai même pas regardé le bon site en fait. C'est trop bien glace. Vraiment. Ah, je drone pas en même temps. Là, ça peut pas le faire. Bah oui, je sais, bah je sais. Ah, tu l'as aussi en élite. Oui, mais en revanche, pourquoi moi tu aussi. Prends Oryx, toi? Parce que je pensais que t'allais prendre mon tag. Ah, ok, c'est nul à chier. Mais t'as pas le droit de faire ça. Justement, jouer avec des opérateurs normaux, c'est pas marrant. Eh oui, non, mais je sais. Voilà, ça m'a saoulé. Tu sais, moi, je suis saoulé. C'était Dan, incroyable ce match. Dan contre JFK, non? Sur. Oh oui, voilà, oui, ça c'est une bonne idée. Tu sais, c'est fou parce que tu me pètes mon drone, mais j'entends quand même ce que tu fais. Ah, c'est embêtant ça. C'est ouf ça quand même, hein. Alors tu vois, je t'ai entendu péter la porte, du coup... Non mais t'es sérieux? Aïe! Aïe! Ça te crame pas là? Oh le fils de pute! Mais non, ça me crame pas, tu l'as foiré. Il y a du drop hein, sur l'arc de Capitao. Ok. Ça ouais, pas. Ouais. Oh, voilà. Attends, il me semble. En revanche, ça peut passer par un trou de balle. Ça peut toujours passer par un bullet hole, comme H d'ailleurs. À vérifier. Mais normalement, c'est ça. Ok. Oh, balle de match, mec. Tu te rends compte? Ah, tu vois, je t'ai dit, hein. Grave. Je perds pas sur. Je peux pas perdre sur cette map. C'est ma map. Ah ouais, grave. It's my map. Oui, c'est bon, vas-y, je sais que tu te fous de ma gueule, c'est bon. Hein.
Ah, j'ai trop faim. Il m'en faut. Ouais, ben, tu sais quoi. Je vais manger une bonne Ben & Jerry's après. Je vais me l'envoyer sévère. Ah, mais mec, mais... T'es vraiment devenu un gros sac. Hein. Mais j'en ai rien à foutre. Oh non, mais à quel moment tu sors à cet endroit-là? Non, mais là, j'y crois pas. T'es jamais allé à l'extérieur? Bah si, je l'ai fait deux fois. Ça, c'était la deuxième. Ah bon? Bah oui, la première, c'est quand je suis sorti oui, et puis qu'après, voilà, t'es rentré. Mais pas au cul de l'avion. Mais non, mais en même temps, j'ai pris le bon site du milieu. Oui, et alors, j'ai jamais, entre toi et moi... Je n'ai jamais, jamais, jamais attaqué par l'arrière. Ouais, bah moi c'est un truc que je vais souvent à l'arrière. Ça tu peux demander à Baggy. Hein. Voilà. Il y a plein de lives qui le prouvent. Ouais. Baggy et toi quoi, on le sait. Oh, Lee Kefak aussi sur Plane aussi, il était très chaud. Ouais, c'était cool. Bah après il a pris glace et tout deux fois là, contre le vitre. Contre voilà, le vitre je t'ai dit je perds pas sur Plane, c'est grave. Tout. Hein. Tu peux dire ce que tu veux. T'es un monstre mec. Oui, voilà, merci. Allez. Bon allez, bisous Nano, bonne soirée. Bonne soirée, chocho. Envoie des ciao à tout le monde là. Ciao, bisous, moi, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà. Bisous, poulet. Allez vous ciao, faire ciao. Enculer. Bye, va te faire enculer. Joe. Ciao. Merci. Ok, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée. Et merci infiniment à Multifacette de t'être abonné sur d'être devenu un étudiant du campus de la Salty Academy juste avant la fin. La fin justement, je l'ai, j'ai trop la dalle, donc je vais vous laisser. N'oubliez pas les amis, pour l'exclamation YT, il y a une vidéo qui est sortie encore aujourd'hui. Surtout pour l'exclamation YT replay. Hein, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est sur le retour de Mary et moi sur Run Showdown, donc c'était celle d'hier soir. Donc n'hésitez pas à aller la liker et balancer un petit commentaire, mais surtout de vous abonner sur la chaîne replay. Parce que on se demande une fois de plus, la chaîne principale aussi, mais un peu moins quand même. Mais la chaîne replay, on se demande si on va la garder ou pas. Donc n'hésitez pas à aller la liker. Si vous likez des trucs de la Salty Academy, si vous vous abonnez sur point d'exclamation YT, point d'exclamation Facebook, point d'exclamation TikTok, que vous rejoignez Discord et que vous cherchez les teammates, point d'exclamation Discord, n'hésitez pas. Et chaque petit like, chaque petit commentaire, eh bien ça nous aide énormément. Bonne soirée tout le monde, je disparais maintenant de vos écrans, on se retrouve demain sur le campus de la SA pour je ne sais pas quoi, vous le verrez bien sur Discord et sur Twitter. Et d'ici là, d'ici à demain, une fois n'est pas coutume, n'oubliez pas que certes nous sommes salty, oui, mais pas que.